Coucou, donc on se retrouve. Je vais vous faire voir ce que j'ai créé ce week-end, du moins dimanche. Donc j'ai pas fait beaucoup. J'ai essayé de me mettre un petit peu à jour sur quelques trucs que j'avais commencé, que je voulais finir. Essayer de me recadrer, de me remettre à jour. Donc j'ai commencé. Il me reste encore un petit peu de retard, mais je vais finir par épurer mon retard. Vous tracassez pas. Donc, on m'avait demandé de vous faire voir quand j'aurais fini les petits cadres que je voulais faire pour deux copines à Noélie qui aiment les gorgeous. Et du coup, j'avais commencé à le faire, mais j'avais pas terminé. Enfin, j'ai entamé beaucoup de choses et j'ai pas fini. Donc, en gros, c'est un peu ça mon problème. Donc, je suis en train justement de récupérer, d'essayer de me dire, je fais telle chose, et je finis. Comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Donc, je vais vous faire voir. J'ai fait donc un premier cadre pour une petite qui adore les gorgeous. Donc, j'ai peint en violet, j'ai bombé en gris et j'ai mis la paillette glitter que j'ai achetée chez Action. Donc, assez contente du résultat. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, ça brille un petit peu. Voilà. J'ai mis une attache comme ceci avec une perle au milieu. Bon, j'ai mis une grande photo que j'avais en double. Donc, du coup, j'ai fait ça. J'ai peint en gris. J'ai mis un papillon, forcément, hein. J'ai mis du pochoir ici. Ici, j'ai mis un petit embellissement Be My Star. J'ai mis un cadre qui est en doré et à l'intérieur, j'ai mis un petit ours. Ici, j'ai mis un espèce de ruban que j'avais eu chez Max Plus en vacances. Donc, du coup, j'en ai mis là. J'ai mis le ruban que j'ai eu à Noz. Vous voyez comment il est joli. Et je suis assez contente du résultat parce qu'il est vraiment très très chouette. Donc voilà pour le premier cadre que j'ai fait. Et dans à peu près le même esprit, alors j'enlève parce que du coup il y a des fils de colle, à peu près la même chose mais avec une autre photo. Voilà. Mais c'est à peu près le même principe que j'ai fait. Donc, je les trouve assez réussis. Du coup, les filles m'ont dit, ah oui, mais maman, tu pourras m'en faire un. Donc, du coup, il faut que je rachète des toiles. Donc, voilà. J'ai fait également toute une série ATC Vive la rentrée, puisque sur le groupe de Créa les Mélanes, c'était notre défi. Donc, je l'avais fait début septembre. Mais vous voyez, on arrive fin septembre et ça va simplement partir, puisque j'avais pas fait la carte. Voilà. Donc, une petite série, vive la rentrée. Et j'ai fait une première carte comme ceci, toute simple. Et j'ai écrit, je scrappe un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, pour la vie. Donc, voilà, une première carte. J'ai essayé de la finir. Donc, j'en ai plusieurs qui vont partir. Donc, quand vous aurez cette vidéo, la plupart seront certainement arrivées puisque je vais attendre pour faire cette vidéo. Donc, voici un deuxième. Un autre. Voilà. Je suis toujours à peu près restée dans le même style puisque je voulais aller assez vite dans mes cartes. Donc, du coup, j'ai changé quelques embellissements. Enfin, bon, voilà. J'ai essayé d'aller un peu vite. Mais je suis assez contente du résultat. Je les trouve plutôt sympathiques. Donc voilà. Une autre ici. Donc j'ai fait avec des découpes qu'on m'avait envoyées. Puisque faut les utiliser. Ça sert à rien de les garder pour les garder. Donc voilà. J'ai essayé d'en utiliser quelques-unes. Des napperons, tout ça. Donc, voilà, j'ai fait ça.
Et j'ai travaillé également sur un autre projet qui est en cours. Et ça, je vous en parlerai plus tard. Donc du coup, voilà, j'ai fait voilà mes petites créations, plus une autre que j'ai fait, mais que je ne peux pas vous faire voir. Donc voilà mes petites créations. Je vais vous faire, j'ai une boîte aux lettres aussi. J'ai les mains qui sont pleines de peinture. J'ai une boîte aux lettres aussi à vous faire. Je vais vous faire voir ce que j'ai reçu cette semaine. Et ça doit être à peu près tout ce que j'ai en attente. J'essaie de continuer donc cette semaine. Qu'est-ce que j'ai j'espère scraper un petit peu pour continuer un projet que j'ai en cours. Mais ça va être un petit peu plus compliqué puisque cette semaine, je crois que j'ai une réunion pas parents d'élèves, mais parce que je fais partie du groupe de l'école, donc du coup, de parents bénévoles. Donc du coup, voilà, j'ai une réunion, je dois me faire un déplacement pour le travail, donc ça va être un petit peu compliqué cette semaine. Donc voilà, bon, j'espère scraper un tout petit peu. Petit peu. Il faudrait que j'arrive à finir mes boîtes et que la semaine prochaine, il faudrait que mon calendrier pour la fille de ma copine soit fini. Donc, il faut que je fasse les boîtes. Donc là, j'ai les 24 boîtes. Ils sont déjà découpés. J'ai plus qu'à les monter. Ça devrait se faire. Et donc, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai. Je voudrais arriver à faire dans la semaine. Et puis, continuer mon projet qui est en cours. Qui se pose pas si mal que ça. J'ai bien avancé, je suis assez contente. Donc voilà, vous aurez tout ça bientôt. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Scrapez bien, bye bye!